Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour le live reaction ainsi qu'un petit avis à chaud dont je mettrai le timecode dans la description sur l'épisode numéro 23 de Dr. Stone. Alors on se rappelle, on est en plein milieu de la construction d'un outil de communication histoire de gagner la guerre d'une façon que j'ignore encore et on est en train d'avancer. On a eu là, pour moi en tout cas à l'épisode précédent, la reconnaissance de Senku au sein du village comme la personne à suivre parce qu'avant il le suivait parce que c'était devenu le chef, mais là tu vois la gratitude quand ils ont fait le cadeau à Senku grâce à Gain qui a fabriqué un observatoire et j'avais hâte de savoir ce qui allait se passer pour la suite et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Un métal archi rare. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont été chercher ça dans la grotte. Magma, ça y est, il rejoue les casse-couilles. Pour les lapider n'importe quoi. Et de la vieille génération. Oh, ça c'est pas gentil non plus. La réaction excellente. Comment tu veux fabriquer un portable, avec ces pierres? Moi, ça me dépasse un peu. Hein. Surtout que là, ils sont pressés par le temps. Ils ont dit qu'ils attaqueraient à fin de l'hiver. Donc là, on est déjà en plein hiver, visiblement. Faut se dépêcher, quoi. C'est bien, ils nous expliquent. C'est le téléphone portable pour les nuls. J'aime bien. Je me sens moins con. Enfin, si, je me sens pris pour un con, là. Ah, excellent. Ah, il reste juste ça à faire, c'est cool. Ouais, en fait, ils ont vachement avancé. Hein. Déferlante scientifique. Qu'est-ce que ça peut bien cacher, ce titre? C'est quoi ce T-Rex, sérieux? Excellent. Mais qu'est-ce qu'ils foutent, eux? Je pense que c'est pas ça qu'il faut faire du tout. Ah bah si, on aurait fini par les réduire, je pensais pas qu'ils feraient une connerie. L'autre qui est content d'avoir fait ça. Une sorte de dentifrice. Même lui, il est perplexe. À chaque fois, en fait, on dirait moi, lui. Désoxyder cette pâte. Ok, d'accord. Ok, donc il le fait chauffer pour... à 1000 degrés, waouh. Je pense qu'il suffit pas de le mettre au four. Vous êtes débile ou quoi, excellent. J'avoue, c'est vrai, ouais, le verre, il va se faire défoncer si tu fais ça. Ah, voilà, ils font. Tout ton savoir scientifique, il est quand même vachement limité, hein. Prof Senku. Allez, c'est le moment de montrer ce que tu vaux, Chrome. What about Chrome? Ouais, scientifique ultra intelligent, c'est peut-être un peu vite dit, hein. Oh, classe, le tapage de main, et ils vont chacun dans une direction. C'est super stylé, moi j'aime bien la complicité qu'il y a entre les deux. Ouais, il va dire qu'il a bricolé tout seul parce que personne n'était comme lui. Ouais, c'était évident qu'il allait en venir là. Et oui, Senku, maintenant il a un pote scientifique. Oh, les amis bricolos, excellent. Bah devant toi. C'était évident. Comment il va réagir, là? Quoi, il veut un vieux comme lui? Il veut un vieux qui a 50 ans pour être ami avec lui? Ah, petit moment de nostalgie, là, où on voit tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Tout ce qu'ils ont partagé ensemble. Bon, c'est sympa, mais moi, c'est le genre de truc qui m'emmerde. Ah, ça y est, oh, il pleure, c'est mignon. Wouah, ça y est, SSJ. Kaioken. Allez, ça y est, il est parti, on l'arrête plus. Oula. Le pauvre. Pas sûr. Clairement. La tête qu'il fait, tu sens déjà qu'il est largué, quoi. C'est vraiment, tu t'es vraiment un gros con, donc je vais simplifier pour toi. Genre, je suis sûr qu'il a pas compris. La tête qu'il fait, c'est cool. cure du miel, c'est marrant, c'est ce que j'avais retenu, c'est la seule partie que j'avais retenu aussi, quoi. Ah, en fait, ils ont fait un verre pour focus la zone. Pas con, là, sur ce coup-là. Hein. C'est vrai, il avait cramé. Ah, c'est pas con ce qu'il a fait. Aligner les métaux pour voir lequel va fondre. Pour voir à quelle température on est. Les dessins qu'il y a, c'est trop bon. Ça a pas l'air de marcher du tout. Ils vont trouver un moyen, forcément. Allez, Chrome, réfléchis. Utilise tout ton savoir scientifique. Qu'est-ce qu'il veut faire avec la machine à barbe à papa, là?
Ah d'accord, il veut chauffer en même temps. L'équipe des gorilles, comme il les appelle. Ah, c'était sûr qu'il allait se faire frapper. Bon, c'est bon, ils ont réussi. Quoi? Ça fait peur, le truc qu'ils ont fait derrière. Ah, la tête de Gen derrière. Presque terminé, bah c'est cool ça. Ah, la tête qu'il fait derrière, mais. C'est quoi ce ramassis de n'importe quoi? La tête qu'il fait. C'est énorme. C'est trop laid ce truc. Ouais, mais ça marche, Osef, du reste. Hein. Bon, là, c'est parti pour les explications que moi je comprends pas. C'est parti pour la cuisson de précision! Allez, c'est parti, les gars, branlette. Deux en même temps. Ta-ta-ta-ta-ta. Excellent truc du tungstène. Il s'éclate, hein, le dessinateur. Ça a l'air de rien comme ça, hein, le tungstène. T'as l'impression que c'est un exploit d'avoir fait ça, alors que moi je fais bon bah, c'est un fil de fer quoi. Hein. Alors je pense que le plan il va flipper devant. Alors on va voir. C'est quoi ce truc? J'avoue, ça a l'air impressionnant vu comme ça. On dirait un pub pour une aspirateur. Il est marrant, Gen, j'adore. Je pense qu'il dit ça juste pour le provoquer. Ouais, non, c'est juste ça, c'est pour le motiver un peu. Voilà, c'est ça. Merci, Sekou, on est d'accord. Allez, papy, montre-nous ce que t'es capable de faire. Plus c'est compliqué, plus ça m'excite. Eh ben. Oula, qu'est-ce qu'il veut en contrepartie? Que tu me traites comme Chrome l'autre jour? Quand il a dit que c'était son collègue, là? Un ami bricoleur? Ah, d'accord. Bah, je pense que c'est comme ça déjà qu'il le considère. Ah, il a fait le même top là, il voulait. Excellent. Ah, j'adore. Ah, je pense qu'il va se passer un truc marrant avec lui. Je parie qu'il doit en faire 50 ou 200. D'accord, donc en fait, il va faire ça en boucle, quoi. Avec une musique bien horripilante, je trouve, honnêtement. C'est... Là, il en faut 800. Ça calme, hein. Ah bah voilà, un petit peu d'aide quand même. Alors je pense pas qu'il veut le vin pour un banquet, tu vois. Le micro sort, les cordes vocales de... Ah d'accord, ok, c'est pour le vin. C'est ça pour ça, le vin, ok. Des petites graines roses sur le bouchon. C'est tout, mais ça sert à quoi? Là j'avoue, je comprends pas trop ce qu'il fait. Il change le son en électricité? Oh la vache! Donc tu cries dessus et puis tu fais marcher mon PC, quoi. Et voilà, ils ont créé le téléphone portable. Attends, j'ai pas vu la gueule qu'il avait. Moi, j'aimerais qu'ils fassent un essai quand même pour voir si ça marche déjà. Puis pour voir la gueule que ça a sur leur téléphone là. Le Senkusphone, excellent, il met son nom partout. Je me demande vraiment à quoi ça va servir pendant la bataille par contre. Bon, on a eu un épisode sympa, mais je trouve que, je sais pas, il manque un petit truc. On a eu de l'humour, j'ai bien aimé. Le personnage de Gen qui sert de larbin en permanence, bon. On oublie son rap, hein, qui était vraiment, vraiment dégueulasse. Dites-moi, hein, si vous l'avez kiffé en commentaire, mais moi, absolument pas. Heureusement qu'il a été très vite écourté par la petite blague de Sengoku qui lui dit, au fait, c'est peut-être facile, mais faut que t'en fasses 800, donc vas-y. Boss, mon gars, il y a eu de l'humour, comme j'ai dit, vraiment, j'ai apprécié tout le long de l'épisode. Bon, les trucs scientifiques, j'avoue, c'est trop compliqué pour moi. Autant, quand il explique certaines choses, ça va en général. Là, ça allait trop loin pour moi. Bon, c'était intéressant de voir qu'en fait, t'avais l'impression, je pense que c'était fait exprès, mais... T'as le mec qui t'explique, t'as Senku qui est en train de te dire, bon, il faut faire ça, ça, ça et ça, parce qu'il y a ça à faire, ça à faire, ça à faire. Et toi, tu te dis, putain, il me prend pour un con, moi, je comprends rien à ce qu'il dit. Et t'as Gen qui est là pour faire la même chose. Gen, il répète, il dit, j'ai rien compris à ce que t'as dit quand il explique, à un moment donné, qu'il faut faire je sais plus quoi avec je sais plus quoi, et qu'il dit, et faire cuire le miel. Gen, il dit, j'ai tout compris, enfin, j'ai rien compris en dehors de chauffer le miel, et j'étais exactement dans la même situation, donc c'est vrai que c'était rigolo. De faire ça de cette façon-là. Bien sûr, il y avait d'autres trucs qui étaient marrants, comme par exemple le magma qui défonce le truc et qui se rend compte en fait que c'était la chose à faire. Ou après, quand l'autre il traite la nana de gorille, alors qu'en fait il se prend à chaque fois une bandale quand il le fait. L'autre blondinet aussi de garde. Voilà, on était dans les phases d'humour classiques, mais je trouve que on a eu moins de côté sentimental qu'on a pu avoir avant. À chaque fois, il y avait
un petit côté de l'attachement qui arrivait. Bon, s'il y en a eu un petit peu avec le bricoleur, même si je trouve que c'était un peu trop appuyé. On a eu un flashback sur tout ce qu'ils ont fait avant. Il a fait la répétition un peu de ce qui s'est passé avant. Pareil, il y a eu encore une fois la même chose qu'avec Chrome, là, quand il a donné la... Quand il lui a dit « Je te fais confiance, je te confie ça », il a fait la même chose avec le bricoleur, il a fait la même chose après avec les enfants. Voilà, t'avais l'impression d'une certaine redondance dans ce qui se passait dans l'épisode, un petit peu comme si tu voulais meubler, que ce soit le rap d'ailleurs, ce passage-là de flashback. Je serais pas étonné, si je regardais le manga à côté, de voir qu'il y a eu moins d'adaptations de chapitres là que pendant les précédents épisodes. Par exemple, si les précédents épisodes ont adapté 3 chapitres, par exemple, ou 4, je sais pas, je dis ça au pif, hein, celui-là, on a fait au moins un de moins, ça. J'ai l'impression, en tout cas, que c'est l'impression, c'est le sentiment que ça m'a donné de voir cet épisode-là, c'est que on était dans un rythme extrêmement lent. Mais peut-être parce que le prochain épisode va être un peu plus épique, parce que là, ils ont réussi à faire le téléphone. Donc, j'attends de voir la suite. Après, il y a eu aussi le fait qu'on confirme, enfin, l'ancien chef Adoube Senku, bon, c'était marrant qu'ils disent que j'ai bien fait de te choisir, alors qu'en fait, t'as pas le choix. Tu fais un tournoi, le gagnant est chef, tu fermes ta gueule et puis t'acceptes. Ce sont les traditions, c'est la coutume. T'avais pas vraiment le droit de dire non. Mais sinon, bah, un épisode sympa, mais sans plus, je dirais. Et je pense qu'avec ça, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire sur cet épisode-là. J'espère que vous, ça vous a plu aussi. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Hein. N'oubliez pas non plus le petit lien YouTube, ça fait toujours plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !